Bien que je sois allé deux fois au Portugal cette année, je n'avais pas souhaité ramener des vidéos de ce très beau pays, tant les incendies l'avaient défiguré. Je me suis décidé malgré tout à vous le présenter sous ce qui semble être son vrai visage. Il y a deux arbres qui caractérisent la végétation du Portugal. Le premier, c'est l'eucalyptus. Il y en a diverses variétés. Il répand son odeur agréable partout autour de lui. De nombreux spécimens dépassent allègrement les 15 mètres de hauteur. Le deuxième arbre, c'est le chêne. Surtout le chêne liège. Néanmoins, comme en Espagne, il cultive aussi les chênes pour ses glands afin de nourrir les cochons. Une grande partie du Portugal est constituée de massifs rocheux de moyenne altitude dans laquelle il peut y avoir la neige en hiver. Il reste néanmoins un pays du sud et il est fréquent de trouver des massifs dont l'aridité est évidente. De grandes vallées boisées accompagnent le cours des rivières. Au printemps, les collines se revêtent de toutes les couleurs grâce aux fleurs de toutes les espèces végétales. Notez en particulier le genêt blanc. C'est un pays dont le calme et la beauté peuvent se sentir et se voir. La plus grande partie des villes et villages ont gardé le côté traditionnel qui consiste à peindre les maisons dans des couleurs qui les mettent en valeur. Les villes sont toutes très propres. Nous sommes dans la petite ville de Tavira, à l'extrême sud du Portugal. Les arbustes et les fleurs font partie intégrante du paysage des cités. Beaucoup de villes du sud, en se modernisant, ont perdu leur côté traditionnel. Aussi, je me décide d'aller plus au nord, malgré les averses. En remontant un peu plus au nord, on traverse la ville d'Odemir. Une caractéristique agréable de cette ville, c'est que toutes les rues sont pavées. Dans cette rue, il y a un restaurant dans lequel j'ai mangé. Ici, un porto, une soupe, une tarte au poisson succulente et un café, 7 euros. Et en plus, un patron très sympa. Après le repas, j'ai visité la partie de la ville qui était la plus jolie. Hôtel, hôtel de ville. De jolies ruelles serpentent tous ces pavés de maisons. Et enfin, sa petite église, dans le style très particulier qui les caractérise. Allez, à bientôt à toutes et à toutes. Allez, au revoir Pedro. Et puis, vous le savez bien, à bientôt dans une prochaine vidéo.